Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les défis de la semaine 8 de Fortnite saison 6 qui sortiront jeudi à partir de 16h. Alors la quête légendaire de demain vous demandera de détruire des structures avec du feu. Donc c'est une quête légendaire à plusieurs étapes. La première étape est de détruire 100 structures, ensuite 200, puis 300, 400 et pour finir 500. Quand vous aurez terminé les 5 étapes, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Alors maintenant, je vais vous présenter les défis épiques. Alors le premier défi est d'obtenir des livres de recherche à Holy Edge et à Pleasant Park. Alors le deuxième défi est d'utiliser les lanceurs des tours gardiennes. Vous allez devoir utiliser 3 lanceurs pour terminer ce défi. Le troisième défi est d'ouvrir des coffres à la flèche et aux tours gardiennes. Vous allez devoir ouvrir 2 coffres. Le quatrième défi est d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 10 secondes après avoir atterri. Le cinquième défi va vous demander de danser dans les cuisines de Der Burger. Le sixième défi est d'utiliser un bocal à Luciole à Pizza Pete. Et le septième et dernier défi est d'aller en voiture de Der Burger à Pizza Pete sans en sortir. Donc voilà qui termine la liste complète des défis de la semaine 8 de Fortnite saison 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.